Jean-Claude Rouget peut laisser éclater sa joie et enlacer en pleurs notre collaborateur Miguel Blampin. C'est fait, sa pensionnaire Avenir Certain lui offre son troisième prix de Diane après Stasselita en 2009 et Valira en 2012, à l'issue d'une fin de course une nouvelle fois très tranchante. Oui, une nouvelle fois, car déjà dans la poule d'essai il y a un mois, elle avait montré sa grande faculté d'accélération. C'est tellement dur de gagner ces courses-là, je le dis toujours. T'sais. Mais non, ça allait bien. À l'entrée de la ligne droite, ça allait bien. On pense qu'elle était loin. Dans ce terrain-là, souvent on dit qu'on ne refait pas. Mais c'est une pouliche extra, extra. Elle est impeccable parce qu'elle est relaxe. On la cite jamais dans la course. Ça me rappelle Zarkava quand elle a changé de vitesse comme ça. C'est... Le prix de Diane, 165e du nom, est mené sur un rythme élevé par Localiro, qui servait de leader à Miss France, récente gagnante d'Émile Guinée. 2,05,37, c'est d'ailleurs le deuxième temps de l'épreuve, à un peu moins de 2 secondes du record de Trèves l'an dernier. Cela a permis aux attentistes de pouvoir s'exprimer. Moi, j'ai en face, je suis un peu loin, mais je ne me panique pas, je sais qu'elle a une grosse accélération. Voilà, dans la poule, j'étais loin aussi, ça ne l'a pas empêché de gagner de 4. Aujourd'hui, elle confirme tout le potentiel qu'on estime pour elle. On avait vraiment décidé de la garder pour les 300 derniers mètres, donc je me suis fait ramener par amour à papa, et quand je l'ai décalé, elle a montré sa pointe. Jument formidable. Avenir Certain, fille de Le Havre, termine plus vite que tout le monde et domine d'une longueur Amour à Papa, très bonne deuxième. Excellence complète le podium de peu aux dépens de la grande favorite Chamkala, partie à 2,10€. C'est également très pointu pour la cinquième place que doivent se partager Miss France et Ball Dancing, juste devant la grande malheureuse Lavender Lane. Avenir Certain reste invincible en 5 sorties. Elle devient la 26e pouliche à réaliser le doublé poule d'essai prix de Diane, les deux dernières étant Golden Lilac en 2011 et Zarkava en 2008.